pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête après la mort de trois pilotes lors d'une collision entre deux avions d'entraînement au combat. L'un d'eux était Andriy Pechtchikov, connu pour avoir participé à la défense de Kiev au tout début de l'invasion russe en février 2022. Sur le front, Kiev affirme avoir franchi la ligne de défense russe dans la région de Zaporijjia. De son côté, Moscou a déclaré que ses forces ont réussi leur offensive contre un aérodrome proche de la capitale ukrainienne. En mer Noire, le gouvernement ukrainien a confirmé qu'un deuxième navire chargé de céréales a pu quitter le port d'Odessa en toute sécurité. Le cargo est reparti par un couloir temporaire mis en place après l'échec du renouvellement de l'accord céréalier négocié par les Nations Unies. Et ce, malgré les menaces de la Russie, qui a déclaré prendre pour cible tout bateau qui emprunterait ce chemin. À Moscou, des dizaines de personnes ont rendu hommage au chef du groupe paramilitaire Wagner, Yevgeny Prigojine, dont la mort a officiellement été confirmée après les conclusions d'une expertise génétique. Le comité d'enquête russe, en charge de l'enquête, a affirmé que les 10 personnes décédées à bord de l'avion ont été identifiées, même si les causes de l'accident ne sont toujours pas connues. Jacques Beau est expert, membre des renseignements stratégiques suisses. Il a été très longtemps cela. Il a participé à des programmes pour l'OTAN en Ukraine en 2014 et 2017. Au fond, aujourd'hui, vous, votre sentiment, est-ce que vous avez lu, étudié, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Jacques ? Dans l'état actuel, on peut dire qu'il y a deux possibilités. Soit c'est un accident, soit c'est un attentat. Un accident, bon, c'est un accident, c'est fortuit, ça n'est pas complètement impossible car vu les restrictions et les sanctions qu'il y a contre la Russie, il n'est pas possible que l'avion utilisé, qui est un Embraer, donc qui est de fabrication brésilienne, oui, n'ait pas eu les pièces de rechange nécessaires et qu'il ait effectivement volé sans avoir, si vous voulez, tous les éléments de sécurité en place. Ça paraît quand même assez étonnant, mais évidemment tout est possible, vous avez raison, mais ça vous paraît avez, quand non, même... Vous avez raison, ça paraît très surprenant, mais de nouveau, je n'ai pas dit que c'était probable, j'ai dit que c'était plausible. Donc ça, c'est important. Ensuite, si on parle de l'attentat, alors, évidemment, là, on entre dans un éventail de questions. L'idée du règlement de compte au sein des forces armées, ou même au sein de Wagner, d'ailleurs, me semble quand même un petit peu... Il y aurait eu d'autres moyens pour le faire, si vous voulez. Oui, peut-être pas sur le territoire russe, en plus. Il s'était agi simplement d'un règlement de compte. Oui. D'ailleurs, il a eu une entrevue avec Vladimir Poutine. Tout à fait. Et il semble qu'il soit tombé d'accord sur un certain nombre de choses. Donc, il n'y avait pas a priori de contentieux qui nécessite d'éliminer un avion et 8 occupants pour se débarrasser simplement de Prigojine. Oui. D'autre part, je vous rappelle que Prigojine a été, dans les jours qui ont précédé cet incident, qui était en Afrique. Et si vraiment il avait fallu l'éliminer, je pense qu'on aurait facilement pu l'éliminer en Afrique avec un sniper bien payé et on aurait vu le problème se serait réglé de manière beaucoup plus discrète, beaucoup moins spectaculaire et avec beaucoup moins de questions. Alors donc, qu'est-ce qui reste, Jacques Beau ? Parce qu'il faut examiner alors, le reste. Alors, il reste les règlements de compte, tout ça, je n'y crois pas beaucoup. En revanche, ce qui semble se préciser, c'est l'action d'un service spécial étranger. Et là, évidemment, viennent tout de suite à l'esprit les services ukrainiens, puisque je vous rappelle que Kirillo Budanov, qui est donc le chef du service de renseignement militaire, ou qui était, parce qu'on ne sait pas exactement s'il est encore vivant ou mort, les Ukrainiens prétendent qu'il est vivant et c'est possible d'ailleurs, mais bref, on l'a pas vu physiquement, si vous voulez. Mais d'accord. Toujours est-il que il a avant de disparaître, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Russes ont probablement essayé de le faire disparaître, il a avoué que les services ukrainiens étaient à l'origine de l'élimination. Vous savez qu'on a eu, depuis l'année passée, on a toute une série d'oligarques, de milliardaires russes qui apparaissent en Espagne, un peu partout, qui sont défenestrés, enfin bref, on a un peu tous les scénarios.
Et Kirill Budanov a avoué que c'était les services ukrainiens qui faisaient disparaître des gens comme ça, des personnalités russes, et qu'ils continueraient à le faire. Donc, de nouveau, ça sort pas. Donc c'est une hypothèse, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on voit que les attentats qui sont commis avec des drones, qui sont des drones de petite portée, d'ailleurs, il y a certains qui ont des longues portées, mais d'autres que des petites portées, ce qui signifie que ce sont des agents implantés en Russie, qui active ces choses-là. Donc, il n'est pas du tout impensable d'imaginer que des agents ukrainiens aient pu s'infiltrer jusque sur un aérodrome pour plastiquer ou saboter l'avion de Prigojine. D'autant plus que c'est un avion privé, donc il est relativement identifiable par rapport à d'autres. Voilà. Donc, ceci n'est pas du tout impensable. Mais à part les Ukrainiens, il y a des bruits assez persistants. Mais je le répète, ce sont des bruits. On est d'accord. Qui évoquent les services français. Ah bon? Oui, parce que... Quel intérêt pour les services français? Prigojine est en... Wagner, oui, pensez à Wagner et l'Afrique. Avec l'affaire du Niger, l'affaire du Mali, etc. Wagner est dans la cible des services français et de la France d'une manière générale. Et on pourrait imaginer, imaginer, mais de nouveau, je répète, on est au niveau des hypothèses, on est au niveau des rumeurs. Il n'y a aucun élément qui permet de confirmer. D'ailleurs, si c'est un service comme celui de la France, voire les États-Unis, probablement les Ukrainiens aussi, on aura sans doute pas très rapidement les preuves de tout ça. Donc, il est possible, Jacques Beau, qu'on ne sache pas avant longtemps ce qui s'est vraiment passé. Voilà, je pense que ça, c'est une réalité. Mais je peux m'imaginer que aujourd'hui, si vous voulez, il y a une espèce d'alignement des étoiles ou des planètes, plus exactement, qui fait que l'idée d'un service étranger qui éliminerait Prigojine semble, à mon avis, l'hypothèse la plus vraisemblable à l'heure actuelle. Bref, on sent qu'en définitive, bon, Poutine ne pardonnera pas dans le long terme. Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, Prigojine va tomber malencontreusement d'une fenêtre, ou d'autre chose, ou un accident de voiture, mais les choses sont finies. International sur Europe 1, et quelle joie de vous retrouver, vous aussi. Bonjour Vincent Hervouet. Oui, moi aussi j'ai redoublé. Vincent, des expertises génétiques moléculaires menées par les enquêteurs russes confirment bien la mort d'Evgeny Prigojine dans le crash de son avion mercredi dernier, et vous dites qu'il est plus grand mort que vivant. Mais je sais pas, vous avez vu le petit mémorial dressé sur le trottoir à deux pas du Kremlin avec la photo de Prigojine, l'air si doux, drapeau rouge, rose rouge, bougie rouge, puis une énorme couronne mortuaire au garde à vous et les passants qui s'arrêtent, et les anciens plus ou moins combattants qui se recueillent, en gardant quand même sur le visage leur passe-montagne, on ne sait jamais. Et ce genre d'hôtel improvisé, il y en a dans toutes les villes où Wagner avait ses casernes, à Saint-Pétersbourg, à Novosibirsk, à Ekaterinbourg, mais pas seulement. La télé russe en décomptait hier une quinzaine. Ce n'est pas Diana, princesse du peuple, laissant les Britanniques inconsolables, mais on voit bien que Prigojine, considéré ici comme un boucher, un affreux, un serial killer, un ennemi du genre humain, Prigojine, là-bas, était populaire. Et il l'était notamment chez les militaires. Oui, il le voit comme un maréchal d'empire, avec les manières frustres, mais du courage physique, une fortune extravagante, mais un franc-parler contre la corruption et l'incurie des bureaucrates. Au moins, lui défendait ses hommes. D'ailleurs, ses principaux lieutenants l'ont accompagné jusque dans la mort, avec Dmitri Oudkin et Valery Chekalov. C'est le comex de Wagner qui a été liquidé. L'hommage spontané aux disparus est d'autant plus remarquable que les Russes sont privés de monuments aux morts de cette guerre. Ceux qui tombent au cours de l'opération spéciale en Ukraine sont enterrés à la sauvette. Pas de deuil national, pas de sonnerie aux morts. Il ne faut pas les compter, c'est un secret d'État. Et le 9 mai dernier, pour l'anniversaire de la victoire contre les nazis, le défilé traditionnel du régiment immortel avec les portraits des anciens combattants portés fièrement par des familles, bien ce défilé a été annulé. Ça ferait sans doute du monde. La BBC a nommément
identifié 25 000 Russes tués en Ukraine. Les Américains prétendent qu'il y en a deux fois plus. Et au total, ça fait donc à peu près 200 000 Russes mis hors de combat. Oui, si on y ajoute les blessés. Est-ce qu'on sait, on connaît le bilan côté ukrainien, Vincent ? Ah ben moins, forcément. Forcément, parce qu'ils sont les victimes de l'agression. Mais ils se battent mieux. Ça, c'est la fable officielle. Elle est morale. Ça relève de la guerre de l'information, de la guerre hybride que mènent les sociétés militaires privées et les chaînes d'infos continues qui nous racontent depuis le début de l'année la contre-offensive ukrainienne et la reconquête, alors que sur le terrain, il ne s'est quasiment rien passé depuis 3 mois. Une source américaine a parlé de 100 000 morts et blessés côté ukrainien depuis 1 an et demi. Alors, sans épiloguer sur le nombre de blessés qui meurent avant d'arriver à l'hôpital, faute de soins, de matériel médical, d'infirmiers, parce que Kiev réclame des F-16, mais pas d'ambulance, et la corruption prospère, l'intendance préfère acheter, par exemple, des garrots chinois à 2 dollars pièce, plutôt que des garrots américains qui fonctionnent réellement, mais qui, eux, jugulent l'hémorragie. Prigogine est plus grand mort que vivant, mais sa mort, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou plutôt le cercueil qui cache le cimetière. Le Times de Londres vient de faire un sondage pour savoir si les Russes pensaient que Vladimir Poutine était à l'origine de l'attentat de Gilles. Et apparemment, selon le Times, donc de nouveau, ça n'est pas le Kremlin, selon le Times de Londres, seulement 8% des Russes pensent que ça pourrait être le Kremlin qui est à l'origine. Qui s'est vengé, oui. Donc ça veut dire qu'on a quand même plus de 90% de la population qui pense que c'est une autre cause. Bien sûr. Et donc ça montre d'ailleurs que ces attentats ont plutôt tendance à raffermir l'unité derrière Vladimir Poutine. Juste un mot, Jacques Beau. Est-ce que, à votre avis, ce qui s'est passé, cet accident et cette mort de Prigogine des autres, est-ce que ça change sur le fond de l'état des lieux Russie-Ukraine, dont on a beaucoup parlé, mais est-ce que ça change quelque chose sur le fond ou en fait pas grand-chose ? Alors, sur le fond, ça va pas changer grand-chose, si ce n'est que les attentats qui ont été commis depuis l'année passée sur le territoire russe par les Ukrainiens, qui avaient pour but initialement de séparer la population des autorités. Du régime. C'est d'ailleurs exactement les mêmes objectifs que ceux qui ont été formulés par l'État islamique en France. Hein. C'est exactement la même stratégie, si vous voulez. Mmh. En réalité, ça a eu l'effet inverse. Comme d'ailleurs ça s'est passé en France à propos des attentats l'État islamique, ça a au contraire renforcé l'unité nationale, si on peut dire ça comme ça, contre l'adversaire, en l'occurrence l'Ukraine. Et l'idée que la Russie est victime du terrorisme, ça a plutôt un effet mobilisateur de la population. Oui. Qu'un effet, si vous voulez, de subversion, comme on pensait le faire. Qu'un effet diviseur, en fait, ça réunit exactement les gens et voilà, on défend la mère patrie, quoi. Enfin, c'est exactement ça. Ouais. Et comme c'est... La photo a bien évidemment fait le tour du monde. Volodymyr Zelensky aux commandes d'un F-16 dans un hangar de l'armée néerlandaise. Un des 42 F-16 que les Pays-Bas et le Danemark se sont engagés à livrer au cours des prochains mois. Et les commentateurs de nous expliquer doctement qu'il s'agit là d'un tournant de la guerre et que ces F-16 sont de nature à en changer l'issue. Mais avant que les appareils et les pilotes ukrainiens actuellement en formation soient opérationnels, beaucoup d'eau aura coulé sous les rares ponts encore intacts du Dniepr. En fait, la décision de livrer les F-16 est politique. Elle vise à conforter Zelensky qui connaît quelques problèmes intérieurs. Elle est aussi et surtout une opération de communication pour remonter le moral de la population et des troupes. Ce sont des sujets dont on parle bien peu dans les médias français, mais le moral n'est pas au beau fixe à Kiev. En cause, bien sûr, la lassitude après 18 mois de guerre, avec l'impression que la contre-offensive n'a pas donné les résultats espérés. Et surtout, que les pertes en hommes et en matériel deviennent très importantes, trop importantes. Mais les pertes ukrainiennes ont commencé à monter en flèche à Bakhmout, et surtout depuis le début de la contre-offensive, il y a 2 mois. Les attaques aveugles se sont fracassées sur les champs de mines. Les Ukrainiens ont perdu 20% de leur matériel et des dizaines de milliers d'hommes. Il fallait absolument afficher des victoires pour montrer aux Occidentaux que les Ukrainiens pouvaient gagner
et qu'il fallait donc continuer à leur livrer des armes et des matériels de plus en plus sophistiqués. Devant l'ampleur des pertes, l'état-major a mis au point une nouvelle tactique. Plus d'attaques frontales, mais des opérations commando par petits groupes qui harcèlent les lignes russes avec un appui massif de l'artillerie et des missiles occidentaux, Scalp et Storm Shadow, et une tactique moins coûteuse en hommes, mais qui consomme beaucoup de munitions. Or, les industries occidentales ne sont pas en capacité de fournir les munitions demandées. Les industriels américains ont tiré la sonnette d'alarme et les militaires américains ne veulent pas que les livraisons à l'Ukraine se fassent au détriment des stocks de l'armée américaine dans la perspective d'un éventuel conflit avec la Chine. Pour le moment, l'offensive au sud des Ukrainiens qui ont envoyé sur le front leur dernière brigade entièrement équipée de matériel occidentaux a grignoté quelques dizaines de kilomètres carrés. Mais elle n'a toujours pas atteint la première ligne de défense russe. Plus préoccupé encore, l'état d'esprit des jeunes Ukrainiens face à la guerre. Loin des discours des passionnariats ukrainiennes des chaînes d'infos françaises, il y a une autre réalité. Le quotidien espagnol El País, dans son édition internationale, a fait une très intéressante enquête sur le comportement des jeunes Ukrainiens âgés de 18 ans. Actuellement, la loi martiale prévoit que les hommes de 18 à 60 ans sont mobilisables et doivent rester à la disposition des autorités. Et il est même envisagé d'abaisser à 16 ans cette limite. D'après El País, beaucoup de jeunes sont partis à l'étranger depuis le début de la guerre, surtout chez les plus éduqués. Quand on interroge ces jeunes restés en Ukraine, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont plus que dubitatifs vis-à-vis de la propagande du gouvernement. Ils voient le niveau des pertes, les blessés, et cherchent par tous les moyens à éviter d'être enrôlés. La corruption, cet état endémique ukrainien, a permis à bon nombre d'entre eux de se faire exempter. D'où le limogeage par Zelensky de la totalité des responsables du service de recrutement. Ce qui menace l'Ukraine, en fait, c'est l'attrition. L'attrition du matériel, des munitions et des hommes. Certes, la Russie connaît aussi bien des problèmes, mais son outil industriel est passé en économie de guerre et les usines produisent en masse matériel et munitions. Alors ce ne sont pas des produits de la dernière technologie, mais dans une guerre de tranchées, cela fait l'affaire. Quant aux hommes, la population russe est 4 fois plus importante que celle de l'Ukraine. Actuellement, l'armée russe compte plus de 1,3 million de soldats et elle a encore des capacités de mobilisation. Alors que pour les Ukrainiens, le réservoir se tarit peu à peu. Vladimir Poutine joue donc la durée. Les F-16 peuvent-ils, dans ces conditions, faire basculer l'issue de la guerre? Quoi qu'en disent les experts autoproclamés, c'est loin d'être certain. Les aérodromes sont des cibles privilégiées que les Russes bombardent régulièrement par missiles. Pour qu'ils soient protégés, ces F-16 devraient donc avoir leur base hors d'Ukraine. Mais là, si l'Europe rentre dans ce jeu, on franchirait un nouveau pas dans l'escalade. Échec rapide, et puis on est sur une situation qui finalement pourrait vraiment durer, mais dont on pense aujourd'hui, en fonction de ce qui se passe sur le terrain et de l'échec des contre-offensives ukrainiennes, que la Russie est en situation beaucoup plus favorable qu'initialement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est la presse ukrainienne qui dit que ce sont les Occidentaux qui sont les principaux obstacles à la paix. C'est la presse ukrainienne qui le dit, c'est pas Vladimir Poutine. Ça vient pas du Kremlin. Et cette presse souhaitait des négociations pour protéger la population? Apparemment oui, apparemment oui. Parce que les Ukrainiens, le peuple ukrainien ne veut pas de guerre. Finalement, on a pris un peu les Ukrainiens comme une masse expandable, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire on peut disposer de ces gens. Voilà. De la chair à canon. C'est de la chair à canon, pour nous, pour les Occidentaux, les Ukrainiens sont de la chair à canon. Les gens ont parfaitement le droit de haïr Poutine et la Russie, mais... Je veux dire, même si on est dans cette attitude-là, il n'est pas interdit, je dirais même plus, il est vital d'être intelligent et d'accepter de regarder la réalité. Donc on ne peut pas se contenter de dire « Poutine est fou, les Russes sont des monstres, ce régime va tomber », alors qu'il ne va absolument pas tomber. On est confronté à une guerre qui se développe et on n'a pas d'informations réalistes et d'analyses réalistes sur le développement de cette guerre. Et les médias sont dans une posture belliciste. La guerre d'Ukraine, c'est l'apothéose de la globalisation. C'est quoi la globalisation? C'est qu'on arrête de fabriquer nous-mêmes nos biens, et on expédie nos machines, et on fait travailler, sur le plan civil, des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, etc. On utilise une main-d'œuvre
qui n'est plus simplement civil, mais militaire, pour affronter les Russes. Et c'est impossible pour moi de ne pas voir dans cette mécanique mépris pour le peuple ukrainien, à la fois l'apothéose de la globalisation et une fondamentale immoralité. En se pensant du côté du bien en plus. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis pour décider de remettre 20 milliards d'euros sur la table d'aide à l'Ukraine. Non pas une aide pour les populations ukrainiennes, pour reconstruire l'agriculture, l'industrie, l'énergie, pour permettre aux Ukrainiens de revenir dans leur pays. Ah non, 20 milliards pour alimenter la guerre jusqu'en 2025. Cette information est passée sous silence. Parce que, bien évidemment, comme toujours avec l'Union européenne et avec Macron, ce sont des systèmes par tranche de saucisson. On annonce quelque chose, mais qui n'est pas pour maintenant. Et puis on oublie. Mais ça va venir à la fin de l'année. Pourquoi c'est gravissime? Parce que cela veut dire que, en fait, l'Union européenne n'est pas européenne, elle est américaine. Et elle n'est même pas américaine, elle est Biden. Elle est démocrate américaine. Parce que moi, j'espère que les républicains vont pouvoir changer ça le plus vite possible. Donc, ça veut dire que les pays de l'Union européenne, la France n'existe plus en diplomatie, plus de politique étrangère indépendante, ont décidé de remettre 20 milliards pour armer. Ça va avec la livraison des missiles Scalp à longue portée faite par Macron, qui est un scandale absolu. Ça va avec, n'oubliez pas, les livraisons de bombes à sous-munitions, qui sont une tragédie pour 20 ans pour les populations ukrainiennes, les civils. Et le président du Cambodge, qui vit encore des amputations tant d'années après la guerre du Cambodge à cause des bombes à sous-munitions américaines, a alerté. C'est un drame, ces livraisons par Biden des bombes à sous-munitions. Ça a été le drame en Irak, avec des enfants martyrs pendant des années, qui sautent des années après le conflit. Donc, vous le voyez bien, bien sûr qu'il y a eu une attaque russe, mais elle répondait à des attaques ukrainiennes sur le Donbass. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis de Biden, avec le relais de la Commission européenne, des Allemands, des Anglais qui ne sont plus dans l'Europe, mais qui continuent, et d'Emmanuel Macron, qui poussent au durcissement du conflit. Dernier acte, l'affaire de la mer Noire, la rupture de l'accord céréalier par la Russie. Accord qui avait été mis en place, souvenez-vous, par la Turquie, et qui avait permis d'exporter les céréales ukrainiennes de par le monde, et donc avait permis à l'économie ukrainienne de survivre, grâce à l'accord des Russes. Les Russes viennent de remettre encore en cause cet accord, alors tout le monde tombe sur les Russes, mais la réalité c'est quoi? C'est pas du tout ça. C'est que les Russes avaient demandé, dans cet accord, il y avait la possibilité d'utiliser le système SWIFT, d'échanges internationaux, pour les exportations céréalières russes, en échange de leur autorisation des exportations céréalières ukrainiennes. Et les Occidentaux n'ont pas respecté l'accord vis-à-vis de la Russie. Et donc, seule l'Ukraine pouvait exporter. Et la Russie devait le faire par des mécanismes détournés. Et donc, les Russes ont rompu l'accord. Non pas pour empêcher l'Ukraine d'exporter, mais parce que l'Occident empêche la Russie. Et donc, vous le voyez bien dans cette affaire, ce qu'on entend à la radio, à la télévision française est faux. Je ne cherche pas à être pour l'un ou pour l'autre, encore une fois. Je propose toujours la même chose, un plan équilibré. En échange du retrait des troupes russes, l'autonomie constitutionnelle du Donbass, avec un référendum local, la démilitarisation de l'Ukraine, la neutralité de l'Ukraine, car c'est indispensable pour rassurer aussi les Russes, et qui retirent leurs troupes. Alors quel est l'intérêt de continuer? Ben moi je vais vous le dire. L'intérêt de continuer, c'est l'intérêt des Américains et de la Commission américaine, comme je l'appelle, de créer un abcès de fixation en Europe qui affaiblit l'Europe. On paye notre gaz 3 fois plus cher. On l'achète aux États-Unis, on l'achète plus en Russie. On divise le continent européen entre l'Est et l'Ouest. Or, seule l'Europe de l'Atlantique à l'Oural peut permettre au continent européen, avec la Russie, de peser au XXIe siècle entre les États-Unis et la Chine. Non pas contre les États-Unis, pas contre la Chine, mais en bonne intelligence avec les autres. On est dans la condamnation, dans le soutien aux sanctions, et on est dans le soutien aux livraisons d'armes à l'Ukraine. Alors il faut savoir que le pire, c'est quand on voit ça fait voter par des partis à la gauche de notre Assemblée nationale, étant donné que
les partis, 12 partis de gauche en Ukraine sont officiellement interdits depuis le mois de mai dernier. Ça va des sociaux-démocrates jusqu'aux communistes. Les communistes, eux, sont interdits depuis décembre 2015 en Ukraine. On a des lois anticommunistes qui sont parmi les plus répressives au monde en Ukraine. Hein, le simple fait, par exemple, de chanter en groupe et en public l'international vous expose à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Mais oui, que je suis bête. Je n'ose pas vous appeler bonjour colonel. Bah sinon, là, c'est ma colonel, mais on change de registre. Ça devient sérieux. On change de registre. Bon, c'est un peu glissant. Enfin, vous êtes colonel, Caroline Galactéros. Je le suis devenue sur le tard, d'ailleurs. Pourquoi beaucoup de militaires m'en veulent considérablement. J'ai jamais rencontré de femme colonel. Mais si, mais il y en a, mais des vrais. Moi, je suis un réserve. Peu particulière. Oui, mais dans la réserve qui travaille tout de même. Opérationnel, même si aujourd'hui je n'ai plus d'affectation, malheureusement. Et ça consiste en quoi, là, ce travail régulier là ? Ça dépend de l'affectation, de l'endroit où on est affecté, de la mission qui vous est donnée. Moi, j'en ai eu plusieurs. De l'ordre de la doctrine de l'armée de terre, de l'ordre des opérations spéciales, enfin au sein des opérations spéciales, et puis après à l'école de guerre. Non seulement c'est rare une femme, mais c'est rare une géopolitologue, c'est ce que l'on dit. Oui, si on veut, oui. Qui tranche, enfin qui détonne sur le prêt-à-penser universel, atlantiste, européiste. Oui, alors ça, non. Là, vous sortez de votre réserve, là, pour le coup. Là, je sors de ma réserve, mais avec je sors de ma réserve. Avec beaucoup de courage, parce que tout le monde vous reconnaît, le courage et la compétence, deux choses qui... Et vous avez même été la conseillère diplomatique d'Éric Zemmour, voilà. Ah, je l'attendais. je savais bien. Alors là, vous avez fait quand même un saut d'à peu près 30 ans. Enfin, bon, on peut venir à Éric Zemmour volontiers. Ben, par exemple, oui. Alors, écoutez, bon, de Pierre Dabzy à Éric Zemmour, ça ne me choque pas, moi. Je ne sais pas si ça leur est choqué. Ce qu'ils ont sans doute en commun. Beaucoup. Dans mon esprit. C'est cette indépendance de pensée et de parole aussi, et de parole. Le mot indépendance va bien, c'est-à-dire c'est l'indépendance de pensée et la lutte pour l'indépendance de la France, en fait. Oui, totalement. Ce sont des vrais patriotes. Après, les égarements d'une campagne, les aléas aussi, et tout un tas de choses ont fait que je n'ai fait qu'un passage assez comme une éclipse. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu y faire tout ce que j'aurais souhaité y faire pour l'aider. Mais, pour aider Éric Zemmour. Mais bon, voilà. C'est vrai que nous partagions, quand nous en avons parlé un peu en amont, beaucoup d'idées sur les questions internationales ça me semblait très cohérent, moi. Donc, alors, géopragma. Donc, géopragma, c'est un think tank qui, j'ose le dire, est seul dans son genre en France. Je dirais que, enfin, moi, je veux voir géopragma comme un pionnier, comme un éclaireur. Et un éclaireur, pourquoi ? Eh bien, pour ce que j'appelle de mes voeux désespérément, en hurlant un peu dans le désert jusqu'à présent, la refonte totale de notre approche des questions internationales et stratégiques. Nous tissons des réseaux, nous sommes un endroit finalement qui est de plus en plus, je crois, identifié comme peuplé. Géopragma, vous voulez dire ? Oui, géopragma, je parle de géopragma. Pas à Paris en règle générale. Ah non, je parle pas de la France, je parle juste de géopragma. Un endroit où il y a un certain nombre de gens qui pensent librement, qui osent dire ce qu'ils pensent, qui ont une analyse, certes, complètement hors des sentiers battus, mais en même temps, le monde, la réalité, les temps présents nous servent. Parce que jusqu'à présent, tout se passe à peu près, qu'on le veuille ou non, dans le sens que nous avons ébauché, annoncé. Et donc, géopragma, c'est pragma. Bah oui, c'est pragmata, quoi. C'est-à-dire le réalisme. Voilà, c'est on sort de l'idéologie et on voit les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il y a un remue-ménage terrible au Proche-Orient qui est en train de modifier la donne. C'est que on sent bien. Cette bascule-là, elle se voyait, mais d'autant que comme une maison, elle était énorme. L'Iran, c'est-à-dire, revient dans le jeu par le biais d'une alliance, en tous les cas d'accords récents,
Avec l'Arabie Saoudite. Avec l'Arabie Saoudite. Inattendu. Avec la sous les auspices de la Chine et dans le cadre d'un gros accord avec la Chine. Aujourd'hui ou hier, il vient de rentrer de nouveau dans l'organisation de coopération. Il vient d'entrer dans l'organisation de coopération de Shanghai, qui est un énorme bloc dont on ne parle absolument pas, pas plus qu'on ne parle ici de l'Union économique eurasiatique. Enfin, alors, on est coupé. Parlez-nous de cela, parce que quelqu'un le fasse. Le problème, c'est que les Européens sont tellement dans cette posture autiste et indignée et furieuse et humiliée et jalouse, à vrai dire, vis-à-vis de toute l'autre partie du monde. Moyen-Orient, qui galope sans nous. Qui galope sans nous, qui coagule, j'allais dire, nous. Grâce à nous et de plus en plus contre nous, puisqu'on ne fait rien vers elle. On est dans des postures d'hostilité, d'éloignement, de donneur de leçons, ça on ne peut pas s'en empêcher, on continue, on ne voit pas que ça ne... Non seulement ça ne porte plus, mais ça agace maintenant singulièrement, et surtout les grands pays qui structurent cet autre monde, cette bascule du monde, n'ont plus du tout l'intention de se laisser ni sermonner, ni donner des leçons sur leur régime. Enfin, tout ça, c'est fini. C'était le post-guerre froide, les années 90, le passage de la bipolarité à l'unipolarité américaine. Ça a marché jusqu'au 11 septembre à peu près, et depuis ça se délite. C'est bizarre que ça ait marché, voilà. Parce qu'on a donné des leçons à la Chine ou à l'Afrique, alors qu'on s'est très mal comporté nous-mêmes. Mais absolument. C'est les donneurs de leçons qui sont les premiers coupables, en réalité. Mais comme toujours. La Chine ne l'a pas oublié. America has been downgraded, and the dollar, for all the pushback it faces, remains the world's default currency. But America's dominant position is now under stress. Cette dégradation a été faite par l'agence de notation Fitch et c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis que cela se produit. La dernière fois remonte à 2011 et cela avait eu des répercussions considérables. Il n'y a donc plus que 9 pays dans le monde entier qui ont une note de crédit AAA parfaite, c'est-à-dire l'équivalent d'un 20 sur 20 pour un étudiant. Il s'agit donc de l'Australie, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Luxembourg, la Suisse et Singapour. Pour information, la France a également perdu sa note au courant de l'année. Pour en revenir aux États-Unis, les effets se sont fait ressentir tout de suite. Les trois principales bourses US ont baissé lors de l'annonce et les actions mondiales ont également suivi. Il faut absolument éviter au Niger et à toute la région les conséquences et retombées de l'usage de la force, ainsi que les graves ingérences étrangères dans ce pays. Toutes ces pratiques aggravent la situation au Niger et dans toute la région. La tension continue de monter un mois après le déclenchement de la crise politique au Niger. Le chef d'état-major de l'armée nigérienne a ordonné la mise en alerte maximale des forces armées en préparation face à une éventuelle opération militaire lancée contre le pays. Dans ce siège, l'ambassadeur français à Niamey a été déclaré persona non grata par les autorités de transition et dispose de 48 heures pour quitter le territoire. Le ministère des Affaires étrangères français a pour sa part estimé que ce qu'il qualifie, je cite, de putschiste n'avait pas autorité pour effectuer cette demande. Pour leur part, le Mali et le Burkina Faso ont dépêché leur ministre des Affaires étrangères à Niamey, où ils ont été reçus par le président du CNSP, le général Abdelrahman Tchiani. Ils ont à cet effet signé un document autorisant les forces armées maliennes et burkinabées à intervenir en territoire nigérien en cas d'agression militaire intentée contre ce pays. Pour rappel, Bamako et Ouagadougou avaient déjà annoncé qu'une intervention militaire de la CDAO au Niger serait considérée comme un acte de guerre. Les informations indiquent également que la force en attente de la CDAO serait prête à intervenir, ce qui fait enfler les craintes et les préoccupations sur un éventuel conflit qui pourrait embraser toute la région, déjà fragilisée par la recrudescence des attentats et la prolifération des groupes terroristes. Le Tchad, voisin du Niger, avait annoncé sa neutralité. N'Djamena se trouve confronté depuis l'attaque d'une base militaire par les rebelles du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République à une vive montée des tensions, notamment dans la région du Tibesti, aux confins frontaliers entre le Tchad et la Libye. Le président de la transition tchadienne, le général Mohamed Idriss Déby, s'est lui-même déplacé le 20 août dans la zone afin de diriger les opérations militaires menées contre les groupes du CCMR et du FACT. L'armée tchadienne aurait lancé une opération terrestre ainsi que des raids aériens contre les positions du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad.
Cet épisode belliqueux semble compromettre le dialogue politique entamé au Qatar entre les autorités de transition tchadienne et l'opposition armée. Pour rappel, l'ancien président, le maréchal Idriss Déby Itno, avait lui-même péri dans des affrontements armés dans la région désertique et montagneuse du Tibesti, il y a un peu plus de 2 ans. Dans ce sillage et après le déclenchement des hostilités à la frontière tchadienne, les forces armées, dirigées par le maréchal Haftar, qui contrôle la Cyrénaïque, à l'est de la Libye, ont annoncé le lancement d'une opération militaire dans le sud libyen, contre des groupes armés étrangers, où des raids aériens ont ciblé des positions militaires. Ahmed El Mismari, porte-parole de Haftar, a affirmé, je cite, que leurs forces armées ne permettraient plus à des groupes étrangers ou factions armées d'utiliser le territoire libyen pour lancer des attaques contre les pays voisins. Un indice de plus d'une situation explosive qui marque la région en proie à des menaces d'instabilité en claire recrudescence. The US and France, of course, still do have troops in Niger. The military in Niger want them to leave, but I've seen no sign that they're doing so. But I don't think that the Western powers will themselves want to become involved, overthrowing by military means an African government, because that would smack of neo-colonialism, neo-imperialism, or that kind of thing. But they do have countries in ECOWAS, not especially Nigeria and Senegal, that look like their leaders want to go into Niger and to restore the government, the civilian government there. And I think they'll be both backing those moves and in private urging them. I think that's probably what they want to do. They want to see the Nigerians and the Senegalese go into Niger. Now, Nigeria is a giant of a country by West African standards. And of course, it has a large military. Senegal has apparently or supposedly one of the best militaries in Africa. The Niger military is quite small. It's Western trained, by the way, but it's quite small. Niger doesn't have much of an air force. So in theory and logically, it should be a fairly straightforward intervention if there is a military intervention. But of course, we can't be certain because we don't know how the population in Niger would react. Niger is a complicated country, as most African states in West Africa are. There are other countries nearby that disapprove of a military intervention in Niger. Mali and Burkina Faso have made it absolutely clear that they're opposed to an intervention and that they back the military in Niger. And Algeria has stopped short of saying that it would help Niger directly in the event of an intervention. But it's made it very clear that it doesn't support one. In fact, that it opposes one. And of course, Algeria has a border with Niger. 4h30 ce lundi matin, quand des explosions retentissent à Alep, plusieurs missiles viennent de frapper l'aéroport international, selon une source militaire. Tôt ce matin, l'ennemi israélien a procédé à des frappes aériennes sur l'aéroport d'Alep, depuis la mer Méditerranée. À la suite de cette attaque, l'aéroport a été mis hors service. Au moins 3 explosions auraient été entendues. Selon les premiers éléments, la base militaire de Nayrab aurait été visée. D'après un rapport de l'agence de presse Reuters publié en avril dernier, le site serait utilisé par l'Iran pour acheminer des armes en Syrie. L'aéroport militaire de Nayrab est utilisé régulièrement par l'Iran selon 3 sources provenant des renseignements occidentaux. Elles ont refusé de s'identifier en raison du caractère sensible de l'information. Après le séisme meurtrier en mai dernier, l'Iran a augmenté son usage de l'aéroport pour livrer encore plus d'armes, profitant de la hausse du trafic des avions cargo. Selon ce même rapport, c'est la division syrienne des forces Al-Quds qui serait chargée de l'acheminement des armes. Les forces Al-Quds sont la branche d'espionnage étranger des gardiens de la révolution iranienne. Téhéran avait refusé tout commentaire après la publication de ce rapport. Israël est régulièrement accusé de cibler les intérêts iraniens en Syrie. Les dernières frappes visaient la région de Damas la semaine dernière. Un dépôt de munitions aurait été détruit. Il appartenait à des milices pro-iraniennes dans une zone dominée par le Hezbollah libanais. La ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouch, a été suspendue de ses fonctions par le chef du gouvernement Abdelhamid Deba après la révélation de sa rencontre avec son homologue israélien Eli Cohen. La chef de la diplomatie libyenne a été traduite devant une commission d'enquête présidée par le ministre de la Justice. En attendant, Najla Al-Mangouch a reçu une interdiction de quitter le territoire libyen. La rencontre avec le ministre israélien a également provoqué un tollé dans l'opinion publique.
Des manifestations anti-normalisation avec Israël ont eu lieu dans plusieurs villes libyennes dimanche soir. Ils étaient plus de 100 000 dans les rues de Tel Aviv ce samedi soir pour protester une nouvelle fois contre la réforme judiciaire. Pour cette 34e semaine consécutive, le rassemblement principal situé sur la place Kaplan s'est focalisé sur la situation critique au sein de la société arabe. La semaine dernière, le directeur général de la municipalité de Tira, Abdelrahman Kachwa, a été assassiné près du commissariat de police de la ville. Présent à Tel Aviv ce samedi soir, le maire de la localité a rendu hommage à son collègue et a incriminé le gouvernement israélien. Je suis maire depuis 15 ans. La communauté arabe souffre de discrimination et d'abandon depuis longtemps. Et pourtant, ce gouvernement est le pire qui ait jamais existé. Le sang coule dans nos rues. Et que font les gouvernements israéliens? Ils démantèlent la police et arrêtent les budgets censés aller à l'éducation. Une référence au fonds gelé par le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, pour les municipalités arabes. Le maire de la ville s'est également insurgé contre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Celui qui nomme Itamar Ben-Gvir pour assurer notre sécurité ne veut pas assurer notre sécurité. Un ministre qui ne veut pas de nous dans le pays va-t-il nous protéger? Un ministre qui déteste les Arabes protégera-t-il les enfants arabes? Malgré l'indignation, la criminalité dans le secteur arabe ne faiblit pas. 6 membres d'une même famille ont été blessés samedi lors d'une fusillade perpétrée dans la ville de Kfar Kana, près de Nazareth. Deux d'entre eux, un homme de 55 ans et sa fille de 29 ans, sont dans un état critique. Un jeune de 17 ans est dans un état modéré et les 3 autres ont été légèrement blessés. Selon les premières informations, il s'agit d'une tentative d'assassinat en raison d'un conflit connu entre familles de la ville. Depuis le début de l'année, plus de 150 personnes ont été tuées dans cette communauté, soit plus du double par rapport à la même période l'année dernière. Le scénario était prévisible. Après plusieurs jours de très forte chaleur, la côte méditerranéenne à présent frappée par d'impressionnantes intempéries. Vents violents, pluie, bourrasques atteignant jusqu'à 120 km par heure, l'archipel espagnol des Baléares a particulièrement été touché. En Catalogne, les pompiers ont dû intervenir pour sauver cet automobiliste coincé dans sa voiture. Au total, ce sont plus de 100 litres d'eau par mètre carré qui se sont accumulés dans certaines parties de la région. Conditions similaires dans le nord de l'Italie, les habitants de Gênes ont été surpris par le cyclone Popea en provenance du nord de l'Europe. Dans certaines régions, des arbres ont été déracinés et des toits endommagés. Un appel à la vigilance reste en vigueur ce lundi. C'est une découverte insolite que des mineurs ont fait dans un gisement de charbon de Kostolac en Serbie, à une centaine de kilomètres de Belgrade. Un bateau de 13 mètres de long et de 3 mètres de large, construit à l'époque romaine, en bon état de conservation. Kod nas je vrlo teško naći organski materijal, pogotovo kada nije u vodi. I eto, mi smo imali tu neviđenu sreću da jednostavno na sloju gdje je oranica, na 7 metara dubine nađemo potpuno očuvana plovila. Nije pronađen u celosti, naravno oštećen je dosta, ali drvo je dobro. Drvo je u dobrom stanju, tako da izgleda odlično, zaista. Des navires similaires ont été retrouvés il y a 3 ans, ce qui laisse penser qu'une ville antique avec un grand chantier naval se trouvait à cet endroit. À son apogée, la cité aurait compté près de 40 000 habitants. Les archéologues ont sollicité le ministère serbe de la Culture pour continuer les recherches. Les visiteurs pourront admirer le navire d'ici quelques années, lorsque le musée qui doit accueillir les artefacts de la cité romaine sera construit près du Danube. Lampedusa au bord de la saturation. Alors que les ONG s'organisent, le transfert de migrants vers d'autres localités sur le continent ou en Sicile est devenu une nécessité tant la pression est forte sur l'île. Ce groupe a été emmené dans la ville sicilienne de Porto Empedocle 24 heures après leur arrivée sur le sol italien. La plupart d'entre eux sont originaires d'Afrique subsaharienne et ont fui la Tunisie suite à la vague d'attaques racistes. Puisque les Tunisiens ne veulent pas nous voir là-bas. On ne s'en sortait plus, on n'était plus aimés, on n'était plus les bienvenus, c'est pour ça qu'on a quitté. Nous, on n'était pas déportés. C'était nos amis qui étaient déportés au désert, il y a eu des morts, tout. J'ai décidé de partir au Burkina parce qu'il y avait la guerre, ça n'allait pas. Et c'est pour ça que je suis rentrée en Tunisie pour rentrer ici. Mais je n'ai pas duré en Tunisie.
Ah, c'est difficile parce qu'ils n'aiment pas les Noirs. En pleine saison touristique, les habitants de l'île s'inquiètent de l'impact que pourraient avoir ces arrivées. Les opinions des personnes qui vivent sur l'isola, sur ces arrivées de migrants quotidiens, sont décisément contrastantes. Molti ci hanno detto che il modo in cui gli arrivi vengono gestiti è decisamente migliore rispetto a quanto avveniva in passato. Ma se da un lato in molti si sono abituati a questi eventi, dall'altro tanti altri si sono detti preoccupati per l'immagine e la reputazione dell'isola, soprattutto per chi viene da fuori. Moteur économique du vieux continent, l'Allemagne est actuellement aux prises avec une situation préoccupante marquée par une croissance en berne et une inflation persistante. La croissance économique a montré des signes de ralentissement significatif au cours du deuxième trimestre de 2023. Les chiffres du PIB témoignent de cette tendance baissière avec des taux de croissance nettement inférieurs aux normes historiques. Les secteurs clés de l'économie allemande, tels que l'industrie manufacturière et l'exportation, ont été durement touchés par une conjonction de facteurs. Après un léger déclin au cours des deux trimestres précédents, l'économie allemande s'est stabilisée au printemps. Les performances économiques ont diminué de 0,4% au quatrième trimestre 2022 et de 0,1% au premier trimestre 2023 en rythme trimestriel. Les fluctuations économiques allemandes peuvent avoir des répercussions en Europe. Le pays serait techniquement tombé en récession après un semestre de stagnation économique. Selon les observateurs, le prix élevé des denrées alimentaires demeure le cœur de cette inflation atroce. Notre école est testée. Le port de l'abaya, longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes, va être interdit à l'école en France au nom de la laïcité. C'est l'une des annonces phares du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Selon une note des services de l'État, le port de tenues ou signes religieux a augmenté de 150% lors de la dernière année scolaire. Le Conseil français du culte musulman estime, lui, que l'abaya n'est pas un signe religieux. Son interdiction a été applaudie à droite et sévèrement critiquée à gauche. La sécurité de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques en France sera-t-elle assurée? Vive inquiétude des autorités. Les entreprises privées de sécurité peinent à recruter des candidats. Ils sont pourtant indispensables pour l'organisation de ces événements internationaux. Une note du renseignement territorial qu'Europe en s'est procurée alerte ce matin sur l'état de la filière, William Molinier. C'est un signe qui ne trompe pas. Sur les 236 sociétés de sécurité privée yvelinoises, une seule a été en capacité de répondre aux appels d'offres passés par l'État pour la Coupe du Monde de rugby et les JO. Déficit de personnel, manque d'intérêt financier, la filière est en souffrance, pointe le renseignement territorial. La rémunération est peu attractive pour des horaires atypiques, souvent de nuit, les jours fériés, les week-ends. Résultat, les agents les plus qualifiés partent vers d'autres emplois. Le besoin pour les JO est estimé à au moins 20 000 agents supplémentaires. Alors pour recruter plus vite, les 175 heures de formation initiale ont été abaissées à 106 heures. Les enquêtes de moralité sur les agents sont elles aussi censées aller plus vite, au risque de passer à côté de profils suspects. Une vulnérabilité inquiétante, d'autant que les analystes estiment possible des tentatives d'infiltration des dispositifs de sécurité dans le cadre d'actions de contestation. Pour tenter de resserrer les mailles du filet, les autorités prévoient de mener cette année plus de 400 contrôles, rien qu'en Île-de-France. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.